البعد الإنساني لثورة التحرير من خلال الصداقة المتينة مع الدول والشعوب التي دعمت كفاح الشعب الجزائري. محل نقاش اليوم الثاني من الملتقى الدولي حول أصدقاء الثورة الجزائرية، أين استذكر المشاركون نضال حاملي الحقائب وشبكات الدعم الأوروبية ممن آمنوا بالثورة التحريرية ونبل مبادئها. Pour certains d'entre eux, soit ils connaissaient l'Algérie déjà, ils étaient déjà venus en Algérie, ils connaissaient déjà le système colonial tel qu'il se déroulait. Et donc, en fait, quand il y a eu l'insurrection, ils se sont dit que c'était quelque chose qu'ils réprouvaient et évidemment qu'ils soutenaient en fait le peuple algérien en lutte pour son indépendance. Mon père, en fait, créé les faux papiers et de la fausse monnaie. Et en fait, collaborer avec les réseaux, il était dans les réseaux Janson et les réseaux Curiel. Dans la clandestinité, il était resté caché pour collaborer ou en France ou en Belgique et pour en fait reverser donc des faux papiers et de la fausse monnaie au FLN et donc aider le FLN de cette manière-là. ثورة نوفمبر ملهمة الثوار والأحرار عبر العالم. ثورة غيرت مفهوم كفاح الشعوب وأعطت نفسا جديدا لحركات التحرر. هو ما أجمع عليه ضيوف الجزائر. L'Algérie, pas seulement ils ont pris les armes, mais ils ont sacrifié leur jeunesse, leur peuple, plus d'un million. Et beaucoup de pays africains, ou bien les pays du tiers-monde, ils ont constaté que c'est la meilleure façon pour accélérer leur émancipation et leur indépendance. L'Algérie a joué un rôle, la lutte algérienne a joué un rôle qui a marqué les luttes et a influencé de façon décisive les luttes des mouvements de libération anticolonialiste, etc. de partout. On disait que Alger c'était la Mecque des révolutionnaires et des mouvements de libération, etc. Le ملتقى الذي كان فرصة للقاء والاستذكار اختتم بتكريم ضيوف الجزائر من أصدقاء الثورة تعبيرا عن وفاء جزائر اليوم لكل من آمن ببطولة شعبها بالأمس.